Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Clyde the Snail, un jeu édité par Core Media, développé par Wade Belunga. La sortie française, c'était le 31 août 2021. Nous sommes sur PlayStation 5, c'est une exclusivité PlayStation au niveau des consoles, mais ça sort aussi sur PC. C'est un jeu de shoot vu du dessus. Je connaissais pas du tout l'existence de ce jeu. Je suis tombé sur une vidéo de bande-annonce et j'ai fait « Ah, oh, c'est tout ce que j'aime !» Direction artistique assez particulière. C'est du shoot, on se prend pas la tête. Normalement, je pense que je vais kiffer. J'espère que vous aussi. Déjà, en fond, on a une petite mélodie qui vient de se terminer comme par hasard quand je vous parle. Hein, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un petit like, de me dire ce que vous pensez du jeu. Et puis, sans plus tarder, on est parti. C'est parti, déplacer et viser. De toute façon, vous l'avez compris, c'est un jeu où on va faire très très mal. Je précise une chose, je vous ai laissé la petite cinématique qui avait l'air assez chelou, on va pas se mentir. Mais pour tout le reste, ok, pour tout le reste, eh bien, j'essaierai d'enlever les dialogues. Parce que moi, pour ce type de jeu, je sais pas vous, hein, bien sûr, j'ai envie de tirer sur plein de choses. Voilà. Je sais pas vous, hein, mais moi, personnellement, je me répète assez souvent pour ce genre de de jeu. Il me faut à tout prix de l'action. Voilà. Il y a des jeux, ça ne me dérange pas du tout d'avoir de l'histoire. C'est même très très bien. Mais pour un jeu comme ça... Par contre, c'est vrai que la visée... Elle n'est pas facile du tout. Attendez, vous pouvez vous déplacer d'une direction à une autre en tir... Ah oui, d'accord. Oh là là, oh, ok. Tout va bien, tout va bien. Par contre, la visée, elle est pas du tout simple. On a l'impression que c'est un jeu où ça va être du fast shooter vu du dessus. Alors que notre personnage, il se déplace assez lentement. Je crois que c'est une tortue. Enfin non, une tortue. Un escargot. Ce qui serait assez drôle qu'on ait un escargot shooter. Où c'est ? Oh là ! Oh, j'ai trouvé un glitch. Oh ! J'avais trouvé le petit glitch qui m'a aidé, mais au final, ça m'a pas trop aidé. Voilà. On vient à peine de commencer. Le coffre. Là, c'est assez calme pour l'instant. Mais comme tout jeu, le début, c'est calme. Voilà, ça se prend pas trop la tête. L'aventure commence. Appuyer sur flèche 2 pour vous soigner. Bon, on va attendre un petit peu. C'est vrai qu'on a pris un peu de dégâts tout à l'heure, mais c'est pas grave. Oh là là, c'est eux nos ennemis. Au moins, c'est bien. Comme je dis, je passe les dialogues pour de l'action. Calmez-vous. Voilà. Mais c'est très déstabilisant, parce que on s'attend tout de suite, enfin moi en tout cas, je m'attendais tout de suite à un jeu très rapide, très nerveux, et ça l'est quand même, hein. Mais en même temps, c'est assez lent. C'est très particulier, après j'adore hein, à ce style de jeu. Si on se perd pas bêtement, ou... Moi ça me va. Après, j'ai pas vérifié, je suis pas forcément sûr. Je ne crois pas qu'il y ait de coop. C'est que beaucoup de personnes adorent faire ce style de jeu en coopération. Et c'est vrai que c'est fait pour, hein. Tu te dis, à deux ça passerait, mais parfaitement bien. C'était par là. Je suis sûr que vous l'aviez vu le passage. Mais moi, non. J'avoue, je suis retourné en arrière, j'ai perdu du temps. Ce qui est bien, c'est que la magie du montage fait que pour vous... Ça prendra même pas une seconde. Oh là, t'as vite te calmer. Voilà. Pour l'instant, ils sont pas bien résistants. Un tir, qu'il soit faible ou fort, ça les détruit. Et je vais pas aussi parler du PEGI du jeu. Est-ce qu'il est déconseillé au moins de 16 j'aurais dit moins de 16 au moins. Peut-être moins de 12 sinon. Moins de 18 pour l'instant, ça me paraîtrait un peu fort. Et là, on est que le début, tu vois. Tu sais pas comment ça va évoluer. Eh, vous calmez là. J'ai entendu. Ouais. Attention, peut-être une doublette. Une doublette, j'ai dit. Ah non, d'accord. Même si tu le fais le plus fort possible, quoi qu'il arrive. Oh là, ça a l'air bon ça. Ah bah non, c'est des insectes. Ah. Ouais, j'ai peur des insectes déjà. Alors, les manger.
Franchement, ceux qui mangent les insectes, bah, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais moi, ça me donne pas du tout envie. Et voilà, bang, c'est la guerre, bien sûr, c'est la guerre. Croyez quoi? On n'est pas là pour jouer. Je sais pas trop c'est quoi le but pour l'instant, mais... Je vois des méchants. Je leur tire dessus. Et ça me va très bien. J'espère qu'on tombera peut-être sur un mini-boss ou un boss de niveau, ça serait bien. Sinon, bah... Tant pis. J'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon moment devant cette vidéo qui est calme, tu vois. Ah, par contre, je vais me prendre une sorte de piqûre là. La petite piqûre de rappel. Elle a fait mal. À droite, on a vu qu'il y avait un coffre. Je sais pas comment l'atteindre. C'est pas grave. Dans les découvertes, j'essaye de mélanger exploration, mais aussi bah, avancer plutôt vite. Parce que bah, quand t'as 15-20 minutes de vidéo, et pas une de plus, quasiment. Ah, c'est pas évident de mélanger les deux. Moi j'adore explorer, voilà. Si j'étais hors vidéo, je me serais un petit peu trifouillé le cerveau pour savoir par où passer. Et j'aime beaucoup la perspective du jeu et tout, franchement c'est... C'est bon, voilà. Ah, j'ai dit, il n'y avait pas de sang tout à l'heure, mais... Il y en a quand même un petit peu, hein. Oh les fourchettes. La fourchette et la paille. En même temps, c'est qu'on vit dans un monde d'escargots. Donc qui dit monde d'escargots dit que... Bah, tout ce qu'on voit est assez petit. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Une clé est nécessaire. Bon, bah, il a récupéré, y'a pas de problème. Oh là, je t'ai pas vu, toi. Je t'ai pas vu. Attention, la petite troulade. Et voilà, c'est bon. Au pire, ce qu'il faut faire, voilà. Tu charges. Et après, tu les termines. Non, on va pas trop avancer. Le chaudron baveur, malheureusement on peut rien faire avec. Est-ce que c'est ça la clé? Non. C'est une graine de ralard. À ce qui paraît, si tu récupères suffisamment, d'accord. Si on en récupère 4, la vie augmente. Et si on en récupère plus, bah voilà. Ouais, bon. On fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut comme commentaire. Je suis un petit peu fatigué. En fait, j'ai envie de faire des vidéos et je me suis fatigué en même temps. Voilà le mélange, je trouve pas mes mots et les mots que je trouve, bah, c'est pas forcément les plus intéressants. On a aussi un système d'endurance, vous pouvez voir en haut à gauche, on a notre vie, c'est les carrés, et l'endurance, bah, vous voyez quand je fais une roulade, bah, l'endurance tombe, faut faire gaffe. Parce que là pour l'instant ça va, on tombe que sur des ennemis pas bien compliqués, mais si tu tombes contre un ennemi qui est peut-être plus rapide que toi, bah, il faudra faire attention. Ah bah, hé. Oh là là. Oh là 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 là. Alors lui... Par où est-ce qu'il sort? J'aime pas du tout là où est-ce qu'il est. C'est bon, retour au trou bien sûr. Enfin mais oh, ce gros ver de terre, bah c'est lui le gardien de la clé. Alors, au moins vous aurez vu un... Je sais pas si on peut considérer que c'est un mini-boss, mais un ennemi un peu plus fort, il nous aura pas touché. Enfin si, j'ai l'impression qu'il nous a quand même touché. Et j'étais quasiment sûr qu'il m'avait pas touché, mais peut-être qu'il m'a mis un petit peu de poison. Ouais. Passons par là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il peut courir. Oula. Attends, toi je vais te suivre direct. Viens là. Par contre oui. C'est bien de courir, mais si on n'a pas l'endurance... C'est bon, je l'ai eu. Ah non mais non, je l'ai pas eu. Hein. Reviens. Ah oui, c'est comme... Je vois ce que c'est, ça. Comme beaucoup de jeux du style, c'est comme, vous voyez, les lutins, là, les trucs irlandais, qui adorent l'or. Des fois, il faut leur tirer dessus pour, bah, pour récupérer, justement, de l'or. Hello, it's me. On peut pas rentrer. Ouais, c'est... J'ai mis du temps à comprendre qu'on était vraiment minuscule, malgré qu'on soit un escargot. Et le rendu est vraiment très, très plaisant. Un petit peu... Les couleurs sont un peu, comment dire... C'est pas des couleurs très très... Je sais pas comment on peut dire ça. Pas éclairé, mais... Ouais, non. Je pense que c'est pas ici. On va quand même tenter peut-être. Non. Je pense que c'était au-dessus. Et peut-être qu'on va désactiver quelque chose qui fera en sorte que... On va pouvoir passer par là. En haut, j'ai vu qu'il y avait un passage au niveau du nord. Voilà. Tout va bien pour l'instant.
Hop. Oula. Vous êtes nombreux, dis donc. Aïe. Ils réussissent à m'avoir. J'ai vu qu'ils crachaient un truc vert, tu vois. Mais... pas évident à voir, je trouve. Allez. Casser tout. Vous voyez qu'on récupère quand même de la monnaie du jeu. Et ça, ça sera très important, je pense, pour... soit level up notre personnage, soit lui attribuer des compétences. De toute façon, c'est souvent les mêmes mécaniques. Alors, après, c'est plutôt par là. Je suis confiant de passer par ici. Ouais, parce que vivement... oh, confiant... après, on peut peut-être tomber. Voilà. C'était pas comme ça que je voulais faire, vraiment, mais... tant que le résultat est le bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Le petit medikit, ça fait du bien. Là, j'avoue, on s'est fait très très mal pour pas grand chose. Je suis très triste de ce qu'on vient de faire. Attendez, il y avait un coffre. On peut y aller, bien sûr qu'on peut y aller. Merci. Là, c'est bien aussi, quand vous n'avez pas la visu, la petite vue. Oh là, attendez. Bah ouais. Ah oui, mais c'était au-dessus. Bon bah voilà. Ah, j'ai pas été très malin pour le coup. J'aurais peut-être dû continuer là où j'étais avant de tomber. Et... après, je peux faire le retour. Enfin, je pense que je peux potentiellement faire tout le tour, refaire le chemin. Mais encore une fois, j'ai pas envie de vous embêter et tout par rapport à ça. Je pense qu'on va peut-être finir cette zone au moins. Par ici, il y a quoi? Ah, on revient à l'endroit principal. Donc, est-ce que maintenant... ouais, non, j'ai pas l'impression que ça a vraiment évolué. Ici, du moins. Moi, je pense qu'il faut retourner pour le coffre. On s'est fait avoir. À part si on peut faire la roulade, peut-être. On tente ou pas, Léon? On va tenter. Vous êtes prêts? Attention! Ah, bah voilà. On a explosé. Ça fait 10 minutes que je cherchais comment passer ce laser. Je tirais sur ça, sans cesse. Sauf que, bah, j'avoue, j'étais voir sur YouTube. Pour me dire, non, c'est pas possible d'être bloqué aussi rapidement, aussi bêtement. Eh bien, c'est pas compliqué. Il fallait juste tirer sur le faisceau au lieu de tirer sur la machine. Voilà. C'est bête comme bonjour. Mais j'avoue que bah, j'ai pas du tout pensé. Oh, on va se calmer là, s'il vous plaît. Allez, on va d'abord s'occuper de ceux qui sont au corps à corps. Oh, au secours. On se met un peu de soin. Ah, là, ça devient déjà plus intéressant en termes de difficulté. Vous voyez, regardez, si vous tirez sur le feu... d'accord. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure, alors. Parce que j'ai tiré dessus, ça s'est ouvert. Bon, peut-être que j'ai dit des bêtises et que j'ai fait une autre manip, mais... moi, ce que j'ai vu... voilà, hein. Ouais, non, j'ai... bon, par contre, dépêche-toi. Voilà. Ouh. Eh, c'est pas si évident, moi qui pensais qu'on allait s'amuser tous ensemble. Allons-y les amis. Eh ben non. Ça va pas être si simple que ça. Voilà, et là. Et boum. La porte est ouverte. Ah oui, en plus il faut refaire le chemin inverse. Bon, maintenant je prends moins de sécurité. Je suis beaucoup plus confiant. Faut faire attention. La confiance, ça peut nous amener à faire de terribles erreurs. Magnifique coffre. Hâte de voir le prix que ça coûte, les améliorations, puisque j'ai l'impression d'être super riche. Alors que pas du tout. Bonjour. Est-ce que... oh, c'est pas mal ça. En plus, je récupère, je le veux. Bah, comment j'ai appuyé? Je me suis dit, bon, je sais pas ce que c'était. Ça pouvait se passer comme ça, aussi facilement. Salutations. Après la question, oh je t'ai pas vu toi, que je me pose, c'est est-ce qu'on aura d'autres équipements au niveau de l'arme, etc. Est-ce qu'on va avoir une mitraillette, fusil à pompe, ou est-ce qu'on va rester avec celle-là et l'évoluer? Est-ce qu'on aura peut-être d'autres qu'on pourra évoluer aussi, hein? Tant de questions qui n'est pour l'instant. Alors toi, toi aussi, viens là, et voilà. Mario. Vous prenez pour qui? Vilaine bête. Alors, toi, on va faire tout le tour.
On va essayer de récupérer tous les scarabées. Après, c'est pas grave. Au pire, si la vidéo dure un peu plus longtemps, c'est pas vous qui allez vous en plaindre. Enfin, je pense, j'espère. Ouais, c'est par là. J'ai vu mon petit scarabée. Je le veux. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Dans quelle galère je me suis mis. Mais je pense que c'est par là qu'il faut, bah, pour avoir... J'appelle ça le scarabée alors que c'est plus une graine. Scarabée, graine... Après tout, quelle est la différence? Allez, let's go. Bon, pour l'instant, ça va. Ouais. C'est moi ou... Ça sert pas à grand chose celui-là. Ah. D'accord. Je regarde juste qu'est-ce qu'il faut... Ok, c'est pas compliqué. Oh le karma. Oh le karma m'est tombé dessus. Il a fait toi. C'est pas compliqué. Bah voilà. Voilà ce qu'on te propose. C'est parti. Deuxième essai. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Ça c'est ok. Là, on est bien aussi. Mais c'est pas grave. Si, c'est pas bon pour l'autre. Et voilà! Bon, maintenant, la vraie question qui se pose, c'est... Est-ce que je vais avoir le temps? Ça, c'est bien beau de faire ça. Mais comment tu reviens à l'autre endroit? Ça me paraît impossible, non? Ah si, d'accord. Je comprends pas trop le fait que... Ah bah oui, je pouvais tirer... Je sais pas. Allez, je déconnecte mon cerveau. Je sais pas ce que j'ai fait, comment, du pourquoi... De tout ce que vous voulez. Ah, en plus, c'était que pour avoir celui-là. Moi, je pensais que c'était... Aïe ! Je pensais que c'était pour avoir l'autre. Celui du dessus. Comment on peut t'avoir, toi ? Petit vilebrequin. T'es de ce côté-là. Je pense que le dernier... On l'aura quand on aura fait le tour du village. C'est la seule solution. Je vois pas d'autres idées et tout. Mais concrètement, je sais pas ce qu'ils m'ont fait eux. Hein. Ils les attaquent et tout, mais... Après bon, c'est vrai que dans la jungle animale, on va dire, que ce soit insecte ou autre race, t'es pas de la même famille, ça y est. C'est... On se bat, c'est la bagarre. Même si c'est la même famille, hein. Je dis ça, mais... On peut passer par là. Salut, toi. Ouais, non, je vais pas chez tout de suite. Merci beaucoup. Oh ouais, le premier boss du jeu, le voilà, c'est un rat. Et crois-moi, on va le fumer. Limite, quand je vous ai dit, oui, il y aura une petite pause en contour dès qu'il y a un boss, franchement, 30 secondes après, il y avait un boss. On a vraiment stoppé. Au bon moment, enfin au bon moment, oui et non. Tiens, une petite greu. Ça n'a pas trop servi, c'est pas grave. Bon, pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Après, vous savez comment ça se passe. Généralement, les premiers boss d'un jeu sont jamais bien foufou en termes de difficulté. Oh là, oh là, oh là, ça y est, ça y est. J'ai parlé beaucoup trop vite. Vous savez comment ça se passe, le karma. Voilà, c'est caché derrière. En fait, on t'apprend un petit peu tout ce qu'on t'a présenté durant le début du jeu. Aïe. Oh oui, ça va toucher, je crois. Quand je touche, on a
Bah vous, vous voyez sur la barre de vie, mais moi pendant que je joue, je le vois pas forcément. Aïe aïe. On prend un petit medikit là. Non mais va, tu vas te calmer maintenant. Oh il est vénère, il a même pas mis la moitié. Hein. Ça devrait le faire. Oh bah, eh, tu sais quoi? Si t'as envie de te la jouer comme ça, moi je suis bien, j'ai mon abri. Ce sera pas le combat le plus... Après je pense que si l'abri est là... Voilà. C'est bon, c'est fait pour ça. Ouais, ça sert à rien que je le charge parce que... Même si je le charge... On se cure. On se prend un autre kit, je l'ai acheté juste avant. Maintenant je comprends pourquoi il y avait le trader qui était là. Ça t'annonçait un boss. Rien que ça. Tiens. Vilain va. Petit rapace des pigs. Tout de fleu. Tout de fleu. Tout de feu vêtu. J'ai pas à parler. Ça y est. La moitié de la vie. Peut-être sur les nerfs. Ah bah. Pas très fan des escargots, mais je suis encore moins des rats, tu vois. Ah, par contre, j'ai mal au doigt, parce qu'il faut appuyer sur R2 pour tirer. Et c'est pas évident du tout. En fait, à force d'appuyer et tout, j'ai trop mal. J'ai une crampe, je vais pas vous mentir. Surtout que le R2 de la Play 5, bah, je trouve qu'il... C'est plus compliqué que celui de la Play 4. Tu sais quoi? Toi, je vais charger. Et dès que t'arrêtes, ça y est. Voilà. Ça, ça fait mal. Je vais me donner les kits, ce sera le dernier qu'on a. Ouais. Je me donne un kit et une seconde après, je me fais fumer. On peut le faire, on peut le faire. Moi, je dis, premier run, on le bat. Il n'y a pas moyen. Là, on est bien aussi, tu vois. Parce que quasiment tous ces tirs vont sur le... Pour la pierre. Oh, il fait peur. C'est bon. C'est bientôt la fin, mon petit rat. Aïe aïe. Non, non. Ma sœur, le karma. On t'a jamais assez dit. Oh là, il m'a fait flipper. Allez, on peut le faire. Oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Avant même que ça tombe. Et voilà. À court de jus de bambou. Et ça explose. Je suis gentil avec toi. Hein. Je te laisse la vie sauve. Mais tu recommences pas. Et voilà, c'est la fin de la découverte. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!